L'ASI, donc, ce sont les sciences de l'ingénieur, hein, donc c'est une spécialité qu'on prépare donc au bac, qui permet donc de mettre en œuvre toutes les démarches qui correspondent à une démarche ingénieur. Donc à l'ASI, on applique une démarche d'ingénieur, c'est-à-dire analyser des produits existants, mais également les concevoir, les modéliser afin de prédire leur performance, mais également effectuer des mesures sur ces mêmes produits afin de vérifier ces mêmes performances et voir si elles répondent au cahier des charges. Les débouchés post-bac sont essentiellement donc des débouchés qui mènent vers les écoles qui préparent aux études d'ingénieurs, hein, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, intégrées ou pas. Ça peut être aussi des formations scientifiques universitaires, hein, master, doctorat, etc. dans les domaines scientifiques. Ça peut être des études plus courtes, type Bac plus 2, DUT, éventuellement BTS, avec la poursuite d'études éventuellement en licence professionnelle. Donc on travaille sur un projet de 12 heures environ sur la conception d'un robot qui est censé faire un parcours. Pour ça, on s'est réparti différentes tâches. Il y a de la programmation, de la création d'applications, de la conception avec une imprimante 3D par exemple. On met tout en commun pour que le robot marche et fonctionne de la façon la plus optimale possible.